Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration de la NSI Venom F5. Let's go! Nouvelle voiture, récompense de défi via le DLC Hot Wheels, la NSI Venom F5 de 2021, voiture qui est annoncée comme la plus rapide apparemment sur le jeu. On va voir si c'est le cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la voiture est très jolie. On a déjà une NSI Venom dans le jeu, mais qui est plus ancienne, qui est aussi très rapide, mais qui n'est pas très très efficace sur les portions de route assez sinueuses. C'est un peu dommage. Là, j'espère qu'on aura un petit changement. Alors, à voir comme ça, la voiture est vraiment très jolie. Moi, j'adore. L'arrière est très beau. Le profil, il est stylé aussi. On reconnaît quand même le Venom un peu sur les ailes et tout. C'est plutôt pas mal. On va ouvrir tout ça. Donc, ce sont des supercars du préparateur et constructeur américain NSI, produit à seulement 24 exemplaires à partir de 2021. La voiture a été présentée en 2020. Et cette voiture est sortie pour rendre hommage aux 30 ans de la marque, sortie en 1991. Le châssis et la carrosserie sont entièrement fibrés au carbone. Niveau motorisation, on nous annonce un V8 biturbo 6 litres essence, 1817 chevaux, 1619 Nm et 1385 kg. On est sur du propu. Alors, 1817 chevaux de base, c'est ouf, c'est juste énorme. Boîte 7, embrayage semi-automatique, 1-0 à 100 en 2 secondes 6. Une VMAX de 500 km/h. Pour la VMAX, IRL, ils annoncent pouvoir faire 500 km/h, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été démontré. Donc on verra sur le jeu si on peut les faire. À l'intérieur, bah écoutez, très simple, c'est fait, c'est très sobre, tout en carbone. Console centrale, tout en carbone, un petit écran au milieu. Le volant spécial course, qui n'est pas forcément super top, mais bon, c'est fait pour, donc voilà, c'est là, c'est là. Pas de rétro, j'ai remarqué, pas de rétro à l'intérieur, c'est pas très grave après. Et puis voilà, bah écoutez, on va tester la voiture tout de suite d'origine, puis réglée, et je vous donne mon avis en fin de vidéo. Pour les mesures, on est sur 4 m67 de long, 2 m de large et 1 m13 de hauteur. Donc voilà, on est parti. Alors voilà, quand on part en mode bourrin, ça va être très compliqué, il faut partir tout doucement avec cette voiture, un peu comme la Choupane. Parce que jusqu'en quatrième, on va patiner. Voilà, à partir de là, normalement, ça devrait plus trop bugger. Ça survire pas mal. C'est assez spécial. Mais c'est énervé comme jauge, hein. Vraiment. Hein. Là, on est déjà à 400 km/h en 6ème. On passe la 7ème, on est quasiment à 450. C'est juste fou d'origine. Hein. Il y a des bagnoles quand même, il faut qu'elles soient réglées, limite swappées pour atteindre ces vitesses. Là, on est sur une caisse d'origine. Allez, on va tester sur l'autoroute. On va essayer de taper une VMAX. Alors, c'est un peu dommage parce que la voiture, elle est rapide. Bon, il en faut. Hein. En ce moment, on nous file que des bagnoles très efficaces, mais pas forcément avec de la VMAX. Là, on a une bagnole avec de la VMAX, mais on n'a aucune tenue de route. Enfin, c'est très, très compliqué. Ou alors, faut descendre en gamme. Je sais pas, c'est un peu... Je sais pas trop ce que je vais en faire de cette caisse. On va essayer de pousser au max, hein, voir un peu ce que ça donne. C'est hallucinant. 480 d'origine. 490 peut-être. Bon, on va dire 490. Pour une voiture d'origine, c'est un truc de fou. Je crois que la GESCO ne fait plus le poids d'origine en tout cas. Après, réglé.
On va voir ça tout de suite. À tout de suite les fêlés. Nous revoici les amis, réglage installé, réglage de Monsieur Javo en S2 986. Je vous partage le code juste ici. Alors, pas d'amélioration. Oui, non, c'est ça. S2 986, j'ai des bêtises. Oui, c'est bien ça. S2 986. Pas d'amélioration au niveau des chevaux, au niveau des newtons, etc. On a juste une amélioration du poids. On passe de 1385 kg à 1281. Alors peut-être que le poids, ça va tout lui donner. Hein. Est-ce qu'on va atteindre les 500 km/h ? On va le découvrir ensemble. Alors, je vais commencer par là. Alors, l'adhérence, etc., c'est un peu mieux. Mais on n'a pas pu faire plus. Il n'a pas pu faire plus, je pense. Ça reste une voiture faite pour la VMAX, hein, pas pour la technique. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 500 km/h ? Moi, je sais déjà, hein, mais je vais quand même faire durer le suspense sur la vidéo. En vérité, même en X, même si vous la mettez en X, vous n'atteindrez pas les 500 km/h. Et ça, c'est très dommage. Au pire des cas, en X, vous allez taper du 492, 495 grand maximum. Moi, je tape 488, 490, comme tout à l'heure. En fait, il n'y a pas d'amélioration. C'est juste une perte de poids, une boîte réglée, des suspensions revues et un comportement un peu plus acceptable. Ça reste néanmoins une voiture très compliquée à conduire. Après, à vous de voir si vous aimez galérer ou si vous préférez la simplicité. Mais aussi, je pense, peut-être en passant en 4 roues motrices, faire des miracles. En tout cas, moi, sans swap, ça reste tel quel. La VMAX, elle est juste ouf. Pour des radars, je pense que ça va me servir, mais pas plus. Voilà. C'est mon avis. On va regarder les freins. Et les freins, à cette vitesse, c'est juste dingue. Ça freine très bien. Bon, les courbes, après, faut passer la quatrième, quoi. C'est ça, le truc. On va regarder au niveau des points de maîtrise également. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, 5000 XP, 10 points force à ton, 1 wheel spin, quelques bonus. Pas de surprise du chef. Pas de petite pépite cachée. Mais voilà. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. À me laisser le petit like si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner si le contenu vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les fêlés. Bye bye. Ciao ciao.